Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Matières premières et fondamentaux. Aujourd'hui, nous allons parler du pétrole, de l'argent, du cuivre et de l'or. Écoutez sans plus attendre, au niveau du pétrole, donc deux catalyseurs haussiers, l'OPEP+ devrait décider de réductions supplémentaires lors de sa prochaine réunion en juin afin de limiter l'offre et les stocks de pétrole américains restent faibles, inférieurs à leur moyenne quinquennale, donc assez haussiers pour le WTI, donc le brut léger américain. Au niveau du Brent, plusieurs catalyseurs baissiers, notamment l'Iran, qui maintient un rythme de production élevé, plus élevé que les dernières années, alors que les exportations iraniennes sont en baisse, notamment, donc sachant plutôt que le premier demandeur de pétrole iranien est la Chine. On n'a pas les données actuelles, mais on suppose que la Chine est moins demandante de pétrole actuellement qu'auparavant. Donc voilà, toujours catalyseur baissier, sachant que la Chine est le deuxième plus gros consommateur de pétrole au monde, après les États-Unis. Donc voilà, petit graphique qui illustre les stocks de pétrole américains. Donc on peut voir sur le graphique en vert, ce sont les stocks actuels, donc sur l'année 2024, qui sont plus bas que la moyenne quinquennale, donc la moyenne sur 5 ans, caractérisée par cette ligne en pointillé noir, et l'année précédente, donc l'année 2023, en petit pointillé noir, encore plus petit que celle du coup de la moyenne à 5 ans. Donc voilà, la demande reste assez importante sur le WTI avec une production un petit peu diminuée, ce qui contribue du coup à potentiellement faire augmenter les prix du pétrole dans les mois à venir. Au niveau de l'argent, donc vous le verrez, hein, c'est la même situation pour le cuivre et pour l'or. Énormément de catalyseurs haussiers, notamment la faiblesse du dollar. On y reviendra dans le dernier diapo sur l'or. Mais pour l'instant, au niveau du silver, l'incertitude prime quant à la production mondiale de minerais de cuivre. En effet, vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez regardé le webinaire d'il y a 3 mois sur le silver, sur l'argent, que l'argent est majoritairement miné dans un second temps. Les entreprises minières creusent dans un premier temps pour le cuivre et l'argent est récolté de manière secondaire. Donc s'il y a des problèmes pour miner le cuivre, il y a inéluctablement des problèmes pour miner l'argent. Et c'est ce qui se passe actuellement sur le cuivre. Donc c'est pour ça que les prix de l'argent pourraient potentiellement augmenter. Et du moins, bah, c'est aussi pour ça qu'ils ont augmenté, hein. Mais ça pourrait continuer dans les mois et années à venir. On viendra un petit peu plus en profondeur là-dessus sur le cuivre. Et sur l'argent, la demande augmente énormément grâce à l'énergie photovoltaïque. Donc idem, hein, j'en parle davantage dans le webinaire d'énergie photovoltaïque, mais c'est une énergie qui est en expansion et très demandante, et donc l'argent qui est déjà un marché déficitaire pourrait le devenir davantage. Et enfin, si l'on se fie de manière historique au ratio or-argent, donc gold-silver, l'argent reste légèrement sous-évalué par rapport à l'or. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique, donc en axe désordonné. On a le ratio, c'est tout simplement le nombre d'onces d'argent qu'il faut pour acheter une once d'or. Donc ce ratio est caractérisé par cette courbe grise. Et là, on a 3 moyennes différentes. Donc en jaune, on a la moyenne sur 10 ans. Les pointillés grisés, c'est la moyenne sur 20 ans. Et les pointillés noirs, c'est la moyenne historique, hein, donc depuis le début de l'or et de l'argent, depuis qu'ils sont valorisés. Et actuellement, donc il y a 2-3 mois, on était aux alentours des 90 et donc on vous avait dit que l'argent était probablement sous-évalué par rapport à l'or. Et grâce à la forte montée de l'argent, hein, qui a quasiment atteint les 33 $, qui a augmenté davantage que l'or, même si l'or a augmenté, c'est pour ça que le ratio a diminué, on est revenu chercher la moyenne sur 10 ans, donc la moyenne mobile, hein, donc au niveau des 79. On pourrait potentiellement aller chercher, si l'argent continue d'être déficitaire, le niveau des 68, qui serait du coup la moyenne sur 20 ans, ce qui ferait au niveau actuel un prix de l'argent aux alentours des 36 $, soit 4 $ de plus qu'au niveau actuel. Au niveau du cuivre, plusieurs catalyseurs haussiers, la spéculation sur le marché des métaux précieux, est très forte actuellement. Le positionnement net est très très élevé, l'open interest simplement l'est aussi. D'autant plus que certaines industries grandissantes, comme les nouvelles technologies ou les voitures électriques, sont de plus en plus demandantes de cuivre. En effet, hein, l'objectif bas carbone que toutes les économies du monde veulent atteindre, notamment vers 2040, on a besoin d'énormément de cuivre pour faire ça, donc la demande reste très importante sur le marché du cuivre et cette demande n'est pas matchée, l'offre ne matche pas cette demande. En effet, selon l'AIE, en 2030, seuls 70% de la demande sera comblée par l'offre, notamment, comme je vous l'ai dit, car le bas carbone est l'objectif, on a besoin de cuivre pour cela, mais aussi car les entreprises minières investissent de moins en moins dans la récolte de cuivre, ce qui diminue forcément l'offre. Au niveau du catalyseur baissier, le seul catalyseur baissier, c'est que même si une pénurie est potentielle sur le cuivre dans les décennies à venir, notamment surtout vers 2030-2040, les stocks du monde entier restent actuellement élevés. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc graphique assez facile, je vous l'expliquer très très rapidement. On a en bleu
les stocks de cuivre, mais en axe inversé au niveau des ordonnées. Donc, c'est-à-dire que plus la ligne bleue est basse, plus il y a de stocks. Et par contre, du coup, en vert, on a les prix du cuivre qui, eux, sont sur un axe désordonné totalement normal. Donc, depuis 2020, depuis la nouvelle décennie, donc logiquement, ce qui devrait se passer si le fondamental était parfait, c'est plus les stocks augmentent, plus les prix diminuent, et plus les stocks diminuent, plus les prix augmentent. Donc, c'est ce qui se passait jusqu'à peu près au niveau de, voilà, de juillet 2022. Et depuis, on a une décorrélation qui est fortement marquée. Depuis le début de l'année 2024, où les stocks ont fortement augmenté et les prix du cuivre ont également augmenté. Pourquoi? Car les opérateurs financiers, les traders, price, c'est-à-dire répliquent sur le prix les potentielles pénuries de cuivre à venir dans les années à venir. C'est pour ça que le cuivre augmente alors que les stocks restent élevés, car tout simplement, comme pour le cacao, où les productions ont repris et les prix ont diminué, bah voilà, c'est-à-dire que le marché price avant que l'actualité, que la nouvelle soit vraiment opérationnel les prix sur les marchés. Hein. C'est ce qui fait majoritairement la spéculation sur les commodités. C'est ce qu'on retrouve du coup sur ce graphique, je vous disais, où les, dans les slides précédentes où la spéculation est très forte, bah, tout simplement car le net positioning, c'est-à-dire le positionnement net, ce sont la force des acheteurs par rapport aux vendeurs. Donc la somme des positions longues acheteuses moins la somme des positions short vendeuses est à des niveaux très très élevés. Donc c'est ce graphique en vert. On voit que c'est un niveau qu'on a atteint seulement 4 fois sur les 25 dernières années. Et c'est ce qu'on retrouve hein, quand les longs et les shorts sont séparés. Donc les shorts en rouge, les longs en vert. Les longs sont très très élevés par rapport aux shorts. Donc les opérateurs sont très très haussiers sur le cuivre. Et c'est d'ailleurs des stats qu'on retrouve également sur l'argent et sur l'or. Hein. Bon, je ne vous les montre pas par souci de temps. Mais c'est sur le cuivre qu'elles sont plus marquées. Mais on retrouve également sur l'argent et sur l'or. Au niveau de l'or, plusieurs catalyseurs haussiers. Le plus important, la faiblesse du dollar depuis plusieurs semaines. Hein, donc j'ai mis 2 semaines, mais bon, c'est 2-3 semaines en réalité. Notamment cette faiblesse du dollar, car la Fed devrait baisser ses taux en 2024. Et vous le savez, l'or est un actif négativement corrélé au dollar. Donc si la Fed baisse ses taux d'intérêt, le dollar devrait diminuer et l'or ainsi augmenter. Et donc si l'or augmente, forcément, les métaux précieux vont suivre, notamment l'argent et le cuivre. Donc de manière fondamentale, on est très très haussier sur les commodités, notamment sur les métaux précieux. D'autant plus que les ETF, donc c'est probablement la nouvelle la plus importante de ce webinaire commodité, c'est que les ETF commencent à être acheteurs sur l'or. Donc c'est plutôt sur le court terme, hein, c'est ce qu'on voit sur le graphique. Depuis le début d'année 2024, donc le début d'année calendaire, les ETF holdings, donc les détentions d'ETF, donc cette axe désordonnée-ci, la ligne noire, était toujours en phase descendante, hein, en phase baissière. Et actuellement, on a un petit rebond sur les ETF qui pourrait caractériser une demande d'or papier plus importante. Jusqu'à présent, la demande était majoritairement physique pour les prix de l'or, notamment gré à gré, donc pas forcément traçable. Mais voilà, potentiellement, donc même si cette reprise est très courte et qu'on n'a pas une vraie reprise sur le long terme, en tout cas sur le court terme, les ETF repassent acheteurs et c'est très très haussier pour les prix de l'or qui n'attendaient que ça finalement. Et l'or, comme vous le voyez, qui a atteint les 2 400 $ et qui se situe à peu près aujourd'hui au niveau des 2 390 au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très très bon week-end et à bientôt chez XTB.